j'avais dit coucou, mais j'ai cliqué à côté de l'onglet du micro. Ça aurait été regrettable que je ne m'en rende pas compte. J'aurais été mutée tout du long, quand même. Bienvenue Fanny, bienvenue à toi. Comment vous allez aujourd'hui mes petits loulous? Pour ceux que j'ai pas vu ce matin, sinon comment allez-vous cet après-midi pour ceux que j'ai vu ce matin? Comment allez-vous Team Rediff? Bah oui, j'ai vu, il n'y avait pas le son. J'ai vu, l'eusse tu cru. Attends, je vais peut-être juste... Attends, vous montez un peu. Vous inquiétez pas, c'est pas douloureux. Voilà. Fait chaud, Seigneur Dieu. Je pensais que vers 17h il ferait plus frais, mais que nenni. Ouais, mieux. Oh, yeah. Mieux. Merci, Ibkema, pour ton Prime. Merci beaucoup. Ah, bah parfait, LNK connexion. T'es en vacances, dis-donc, t'habites où? Alors, pour cet après-midi, read with me. J'ai hésité à faire un stream courrier, puisque du coup, je suis allée à la boîte postale. Mais pas la foi de parler autant. Je suis fatiguée, je suis malade, je me ménage. Autant lire. T'es avec un gros pull et un plaid? Ah ouais, non, moi je suis en robe d'été, jambes nues, toutes mes fenêtres sont ouvertes. Ah, ok, Didou. Ah, t'es malade. Je compatis. Enfin, quoique j'ai 36, 36 c'est pas beaucoup de température. C'est pas assez. Coucou tout le monde, tu es ma nouvelle chouchoute grâce à YouTube. Oh, c'est mignon, Tony. Tu m'as découverte comment? C'est pas la même ambiance. Ah oui, non. Bah moi, j'étais pas malade jusqu'à ce que je monte à Paris et que belle-mam qui a la crève me la passe, hein. En soi. Et qu'on fasse un rassemblement de 35 personnes. Ah, 36 ans! Ah, pardon! Oui, je me disais 36 en température, c'est chelou. Je suis en train de regarder Vampire Diaries. Oh, tu as vu Damon? Ooh. Alors, pour aujourd'hui, donc les streams Read With Me, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vous voyez le petit chrono qui est juste là? Je vais le lancer, alors pas tout de suite, hein, on s'introduit d'abord, on est poli. Hein. Du coup, le petit chrono il va partir avec une petite musique en fond, je ne parlerai pas pendant cette demi-heure. Et pendant cette demi-heure, chacun fait ce qu'il veut de manière productive. De mon côté, je vais lire, beaucoup lisent, il y en a qui font leur comptabilité, leur ménage, de la FIMO, tout ce que vous voulez en fait. Hein, vraiment, le but c'est de vous focus sur quelque chose. Et j'ai prévu plein de livres, puisque du coup, en gros, j'ai terminé Guenièvre hier soir. Et du coup, là, je suis en mode, je vais lire pas mal de mangas et BD, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de romans. Mais pas trop de manga BD de ma palle. Donc là, je vais... Vlam, tu vois. Ah, tant mieux, Emma. Ça va et toi, Ethélie? Je suis aux écuries pour les sons de ma juju. En 30 degrés, les oies vont défiler. J'ai pas tout compris, Nérine, mais plein de bisous. Plein de bisous, toi. Tu me donnes froid avec Kai à Lille. Ah ouais, non. Il fait chaud, nous, hein. Ben, on est dans le sud en même temps. Du coup, vous avez prévu quoi? Ah bah Nashir, connexion. Je suis actuellement de l'aquarelle. Parfait comme activité. Parfait. Salut Black Lydia. Salut Fox. Oh, Madame Kat, yeah. Merci beaucoup pour ton resub. À Cotard tome 2, à Cotard tome 3. C'est bien, vous êtes connectés. Continuez à Cotard. Et j'espère que vous faites des lectures communes. Hein. Alors moi, pour mon côté, je m'étais prévu plusieurs lectures ce matin. En disant que j'allais pas tout faire ce matin, et effectivement, hein, ce n'était pas possible, Du coup, je continue ce que j'avais prévu ce matin, à savoir commencer ce magnifique ouvrage de lecture de contes japonais, de contes horrifiques japonais, avec des fantômes, des démons. Non mais attends, par contre, faut que je vous montre un petit peu. Regardez, donc les présentations, voilà, c'est très joli, hein. Hop, là vous avez une tête de chapitre et vous avez également des illustrations sur une page. Et il me semble, voilà, il y a aussi des doubles pages. Donc c'est ce qu'on appelle un bel objet livre. Hein, voilà. Donc, alors je vais pas le lire en entier, hein, certainement pas. Parce que typiquement ce genre d'objet, je pense que si je le lis en entier, je fais un peu une indigestion d'histoire. Mais je vais en lire une ou deux selon mon envie. Coucou Erwan, ça va et toi? Oh, Black Lydia, je l'ai en wishlist, il paraît qu'il est très bien. Salut Armin. Tu peux prendre un bain aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de lire. Du coup, pareil de ce que j'avais mis ce matin en pile à lire, je me suis sorti L'Enfant du Dragon Fantôme, tome 1 et 2. Donc ça, on va dire, c'est mes deux lectures prioritaires. Et si il me reste du temps et que j'ai terminé ce truc-là, je me suis sorti Mon ami Pierrot, de l'auteur qui avait fait L'Être perdu. Et il me titille depuis un moment. Le focus ne veut pas se faire, il y a trop de choses à focusser là, il a du mal. Voilà. Il me titille depuis longtemps.
Et je me suis également sortie, tant qu'il y a... Non, mais mieux, j'aime mieux avoir trop que pas assez à côté de moi, hein. Le conte de Paria. Le conte des Paria. Le conte des Paria. Voilà, parce que ça a l'air d'être un homme fort, créature chelou avec des fêlures, avec un petit enfant trop mignon. Assassination Classroom, tome 1, comme ça, ça j'aurai une excuse pour lire la suite. Et le tome 6 de L'Oxalis et l'Or. Ah non, je l'avais mis ce matin aussi, donc il passe en prioritaire. Il était dans ma palle de ce matin. Donc on va... j'ai ces trois-là en bonus, si jamais je fais du zèle. Mais enfin, normalement, je pense que ça suffira large. Hein. C'est juste mon côté toqué qui aime bien avoir plus qu'il ne faut, mais... Princesse, t'es con, moi. Vous me donnez envie de lire. Mais lis donc. Ah bah, prends un bain, Lenka. L'idéal, prendre un bain en lisant, hein. Bonjour, je viens ici, alors je suis en pleine lecture de Köchel pour mes devoirs de lecture et parce que j'osais pas le sortir de ma palle dans laquelle il se trouvait depuis si longtemps. Alors, t'aimes bien pour le moment ou t'es perdu encore? Ah, c'est normal, Black Lydia, oui, c'est normal. La voleuse de livres fait toujours un petit peu cet effet, c'est normal. Du coup, je pense que je vais commencer par une petite histoire du fantôme du Japon, enfin petite. Je sais même pas en fait trop comment ça se présente, ça se trouve une histoire dure 100 pages. J'en ai aucune idée, je vais faire que lui pendant un stream entier, hein, mais au cas où, j'ai sorti le reste. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour la première session? The first one. J'ai pas la foi de lire La Servante Écarlate. Tu l'as commencé ou pas encore? Coucou Maët. Ah, cool Néliane. Je suis contente, t'aimes bien. T'en es à où? Attends, et je vais sortir... Attends, je vais mettre mon livre sur Libralic quand même. Quand même. J'aimerais bien lire dans mon bain, mais j'ai trop peur de faire tomber le livre. En vrai, ça craint rien. Faut le prendre. En fait, moi, ce que je fais, je pose le livre par terre, un peu loin de la baignoire quand même, genre à 30 cm, tu vois. Je m'installe dans le bain, je me mets à l'aise, je sais pas si je me lave d'abord. Non, je me lave à la fin, parce que sinon, après, l'eau, elle est plus claire. Tu sais, bah, t'as toute la mousse du savon qui fait que c'est tout opaque. Moi, j'aime bien quand l'eau est transparente, tu vois. Non, elle est pas noire, je vous rassure, je prends pas un bain tous les 10 ans. Genre, je suis caradoc, tu sais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, le savon, ça rend l'eau opaque. Et du coup, j'aime bien que ça soit transparente. Et du coup, je mets ma petite musique classique, toujours. Et quand je suis bien installée et ébouillantée, parce que j'adore prendre des bains brûlants, je prends mon livre. J'ai toujours une petite serviette par terre aussi pour bien me sécher les mains avant de prendre le livre et en le reposant si jamais je déséclabousse ou quoi. Et du coup, je prends le livre et je lis. Une fois que je suis bien installée, tu vois. D'ailleurs, il faut que je m'achète un petit coussin de baignoire. Voilà. Ah, t'es déjà à 150 pages. Ouais, je comprends. C'est un mood, hein. C'est un mood, là, Servante Écarlate. 250 pages par là, je l'ai commencé à mentir, une centaine de pages par jour. Ah ouais, tu le dégommes. Ben oui, non, c'est pour ça, t'as la serviette pour s'essuyer les mains quand tu prends le livre. Oui, un coussin de baignoire, c'est pour mettre ta tête quand t'es couché. Ma belle-sœur, elle a ça dans la baignoire de chez sa mère. Bah, du coup, elle vit plus là-bas, mais j'ai toujours envié. Elle a un coussin cœur molletonné. J'ai jamais osé m'en servir parce que c'est pas à moi, donc j'étais en mode, non. Ça va et toi, Viax? Oui, voilà, c'est Palais de Bain de Godefroy de Montmirail. Surtout que je mets souvent une boule de bain, enfin tu vois. Et t'as pas peur de mouiller ton portable, par contre? Ah, j'aurais plus peur de mouiller mon téléphone. Ah, trop cool, Nagir. Oh, c'est bien, Black Lydia. Mais j'ai un très bon rythme, moi, depuis que je suis rentrée, là, c'est cool. Bah, en vrai, même à Paris, hein. J'ai lu Guenièvre le temps du week-end, donc c'est très très bien. Bah, pareil, Viax. Oh, trop bien, Fox. Allez, les enfants, on y go. Après, je prends un bain. J'en ai pris deux depuis qu'on a emménagé, donc bon. Ça vaut peut-être pas trop la peine que j'investisse dans une petite table de côté, hein, mais... Alors, petite musique. Je vous mets le chrono. Moi, je me tais. Et on se retrouve dans une demi-heure pour débriefer. Bonne lecture! Ou autre chose, vous êtes libre.
C'est la fin de la première demi-heure. Ah, bonjour Ioma Meiko, bienvenue. Merci Jo pour ton resub. Ah, j'ai bien lu, je suis contente. Alors du coup, j'ai commencé Histoire de fantômes du Japon. D'ailleurs, il faut que je le mette sur Livre Addict. Et le tome 6 de l'Oxalis Sailor qui m'a fait rire. Pff. Ah, par contre, il n'y a pas de numéro de page sur les mangas. Bon, on va faire au pif. On va inventer. Ah, j'ai pas noté que je l'avais. Ah bah du coup, je lis ce livre. Je crois qu'il n'était pas disponible au moment où... Et on va dire que je suis à la page 20. Il y en a 192, ouais, allez, 25. Inventons. 250 à 275, bravo pour Akotar. Salut Rourou. 20 pages d'Akotar, bien. Non, j'ai pas glyph, c'est quoi? J'ai dû m'interrompre à un moment parce que les chats voulaient rentrer et puis commençaient à faire froid. Donc j'ai fermé les fenêtres et rentré le linge de la terrasse. Donc j'ai dû m'absenter 5 minutes. Et Histoire de fantômes du Japon, du coup j'ai lu une histoire et je suis à... Et le prologue. Et je suis à la page... À la page... C'est une bonne question ça. Ah, il y en a qui ont plus de numéro. 49. Je lis ce livre. Profil. 49. 49 pages sur 208. C'est long un compte, du coup. 25% un compte. Enfin, t'avais deux petits comptes dans la première partie, mais... C'est bien, Lise. Bravo, Hunter. C'est une application où tu mets les livres et tu peux poster des avis, ranger en étagère, etc. Je préfère à Livre Addict. Ouais, j'avais essayé, mais non, rien ne dépasse Livre Addict pour moi, j'avoue. J'ai commencé Gods of Men, le début était compliqué, mais c'est bien. Ah, il y a Alice qui va être intéressée, là. Bravo, mon gourou. Ah bah tiens, voilà, je savais, Alice allait être intéressée. Je crois qu'Alice est en cours, donc elle n'a pas le son, hein, en plus. Donc, c'est une bonne idée, Camille. C'est bien d'être propre. Ah bah si, elle m'entend. Et franchement, le début est trop bien. De toute façon, cette saga, c'est vraiment trop une saga coup de cœur, hein. C'est vraiment... je l'aime trop. Oh, j'en profite. Est-ce que je vous demande maintenant ou est-ce que je vous demande à la fin du stream? Allez, je vous demande maintenant. Sinon, j'ai peur d'oublier, en fait. Et ça serait ballot. Au pire, je peux demander sur Instagram, mais bon. Est-ce que ça vous plairait une vidéo sur la chaîne principale YouTube de Read With Me? Genre, en gros... parce qu'en fait, une fois que j'aurai fini un petit peu les mangas, etc., j'aimerais bien commencer Crescent City. Et je me dis que ça pourrait être sympa de faire ça en vidéo, donc 30 minutes de vidéo qui tourne avec moi qui lis sur mon canapé, et puis on débrief à la fin. Enfin, le même concept que là, en fait, mais en vidéo YouTube. Je comprends, Alice. Ouais, comme un vlog lecture, c'est ça. Je n'aurais pas pensé à dire ça, mais oui. Je me demandais si ça pouvait vous botter. Oui, plein de fois. Alors, tu peux faire un sondage, Rourou, même si là, le chat a l'air d'être unanime, mais... Je trouve ça moins convivial sur YouTube, mais c'était que mon point de vue. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je me verrais pas faire ça pour... genre une continuité de roman, mais genre quand je commence un bouquin, je pense que ça peut être sympa. Ça revient même que les rediffusions du live, oui. C'est juste que ça permet peut-être de donner un avis un peu plus complet sur le bouquin quand je l'ai commencé, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Je me verrais pas le faire genre bah, pour un tome 7 d'une saga, de manga, tu vois, ou un petit truc. Mais quand c'est un gros pavassou, genre Crescent City par exemple, et où je suis un peu dans le doute par rapport à ce que je vais ressentir moi-même, je me dis que... Mais après, ça serait effectivement comme une rediff de stream en soi. Hein. Sauf qu'il n'y aurait pas ce dialogue entre nous à chaque pause. Ça serait du coup moi toute seule qui débrieferais. Ah oui, je parle pas de faire ça toutes les semaines. Hein. Vlog que du livre en session ou un peu aussi de ta vie avec tes moments de lecture dans ta journée. En vrai, je sais pas. Sans spoil du livre, enfin, les mots des livres, enfin, tu me connais, non? Tu me spoiles pas. Mais j'aime bien l'idée. En fait, je sais pas, le côté vidéo me donne un côté plus... chill.
Bonjour Mac de Mag. Ah, stylé Tam. Ah bah tiens, Rourou a mis un sondage. Et Omar, alors écoute, tu vois là, il y a un petit chrono en dessous. Là, on est en train de débriefer ce qu'on a fait pendant la demi-heure. Et je vais le relancer avec une petite musique de fond. Quand il sera à zéro, ça sera bam, tu peux y aller, let's go. On a une demi-heure pour faire chacun une activité de notre choix et on débriefe après ce qu'on a fait. C'est ce soir les devoirs. Les devoirs de... Je connais deux noms, Viax, je sais que Kim adore. Ce sondage est extrêmement objectif. Salut Anderson, joli pseudo. Ça peut être d'avoir des moments de ta journée, on sait que tu lis le matin jusqu'au lever et après dans l'après-midi, ça peut être cool, non? Façon chill et automne vibes. Ouais, c'est vrai. En vrai, un format un peu vlog, ça pourrait être super sympa. Et ça pourrait aussi me motiver à prendre soin de moi, mine de rien. Donc en vrai... Ah, c'est mignon, Eoma. J'espère que ça te plaît. Je pourrais faire un stream pour vous présenter un peu le serveur, d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait modifier des trucs ensemble. Ouh. Tes recettes et l'eau fraîche entre deux aussi. J'avoue, en vrai, ouais. Et c'est quoi exactement des vlogs de lecture? Qu'est-ce que vous appelez des vlogs de lecture? Prends-tu vraiment soin de toi quand tu crées du contenu et donc travailles? C'est une bonne question, j'avoue. Non, c'est mignon, Yoma. Je pense que oui, si tu filmes pas tout du long. Parce qu'en soi, tu vois, genre, en fait, c'est tout bête, mais les stories Insta que je fais, si à la place je faisais des vlogs, ça reviendrait un peu. Enfin, tu sais, des moments de vlog, ça reviendrait un peu au même, en fait. Ça pourrait être cool, Viax. En vrai, ça pourrait être grave cool. Oh, Son of Geo. C'est quoi 7 jours, 7 livres? Ah, Chalicorne, repose-toi. Ouais, c'est ça, un peu vlog de la journée. En vrai, vlog du jour, ça peut être sympa. En fait, j'aime bien le format vlog pour le côté proximité que ça crée. Un challenge, tu as 7 jours pour lire 7 livres. Moi, je vais mettre 7 mangas, ça va être vite plié cette histoire. Hein. Ça va, ça dépend ce que c'est comme bouquin, quoi. C'est sûr que si c'est 7 fois Crescent City, ça va pas le faire. Ça va... Oh, c'est mignon, Eoma, ça m'étonne pas. Beaucoup mettent des petits romans. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est sûr, si tu pars sur des trucs à 1000 pages, ça va être compliqué. Hein. On attaque la session 2? Ou 24 heures et tu dois lire le plus possible. Ouais, mais ça, j'aurais peur que ça me foute mal à la tête. J'ai déjà vu ça pour le coup, mais j'aurais peur d'avoir mal au crâne. Tu dis que 7 jours, hein? Ouais, c'est ça. Allez, petite musique classique. Enfin, classique à l'automne. Je remets le chrono. Et on se retrouve du coup dans 30 minutes pour débriefer de notre avancée. Moi, je vais terminer l'Oxalis et l'Or et sans doute commencer l'Enfant du Dragon Fantôme. À toutes!
C'est la fin de la deuxième demi-heure. Ah, vous en êtes où alors? De mon côté, du coup, j'ai terminé le Xali Seller, le tome 6, et c'était trop bien. Du coup, je le mets en fini. Et j'ai commencé l'enfant du dragon fantôme, qui commence en mode trop pipoutristou mignon. Et j'aime beaucoup pour le moment. Après, je suis vraiment au début, donc... Ah, ça va, et je suis pas en retard, hein, on est à 30 minutes 38 secondes. Vous êtes des chipoteurs, hein. Ça chipote, les choups, ça chipote. Et on va dire que je suis à la page 20. C'est toujours compliqué comme les mangas ont pas de chiffres. Faut peupler. Hein. Vous avez fait quoi, vous, alors? Post-toilette, bonne idée. Quasi page 300, nice. Merci pour follow Millie1611. Mais oui, Globy. Ah oui, tu l'as pas fini encore? Bravo, princesse! 30 pages de plus. Nice! Eh, vous avez bien bossé, hein? J'ai avancé sur mon modèle 3D. Bravo. You can be proud. 8 livres dans ma wishlist. Ça, c'est bien. Depuis juin. Ah, putain, c'est... On dirait Titi avec Léo de Hurlevent. Personnellement, j'ai fini mon chapitre. Content de pouvoir être en live, ça me motive à continuer mon livre. Trop cool. J'ai quasi fini d'apprendre mon cours. Bien. 35 pages d'Acotardo et c'est définitif. Je suis amoureuse de Rhys. Normal. Ah, cool, Lys. C'est quoi déjà? Bravo, Thierry. Trop cool. C'est une bonne idée, Jade. Écoute, c'est un bon compromis. Pourquoi manger seul si on peut manger ensemble? Ah, princesse! Je ne sais pas si princesse est encore là. Je crois que je l'ai vu écrire il y a 2 secondes, mais j'ai peut-être une absence. Bravo, Alex! Oh putain, il faut que je réponde à des mails aussi, j'ai pas encore fait. Ah, effectivement, Emma! Oh, tu veux peut-être le finir ce soir? Ah, ouais, ça fait 155 pages quand même. Oui, t'es là, j'ai mes billets pour. À chaque festival. Faut que je te donne les horaires. Voilà, c'est tout. J'y ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié. Je les ai reçus aujourd'hui. Oh, Tamka, décidément, tes enfants sont compliqués. Ah, Sakura, c'est bientôt. J'aime bien la fin, Lys. Bah non, je les avais pas. Ils m'avaient envoyé une proposition, mais ils ne les avaient pas validées, donc je savais pas s'ils avaient pris ça ou autre chose, au final. J'ai reçu le truc aujourd'hui. Tout un programme. Bah d'ailleurs, j'ai les horaires si vous voulez pour hashtag festival. Enfin bon, c'est peut-être pas le moment, mais faudra que je vous les donne. Bio-animal en cours. Nice. Est-ce qu'on se fait une dernière session ou pas? En soi, Kim va pas trop tarder à rentrer. Donc je pense que ça peut être smart de s'arrêter. Non, je pense qu'on va se stopper là. Parce que... Oh, quoique... Ouais, non, si. On va se stopper. On va se stopper. C'est plus sage. Hop. Ah oui, non, j'allais mettre un marque-page, mais non. Mais non, mais non. Bah du coup, tu vois, j'avais sorti plein de trucs, et puis au final, j'ai pas fini ce que j'avais prévu. Ah bah oui, Tam, logique. Merci pour le photo, et aux mains. Je voulais pas dire s'il te plaît. Elisabeth, genre, s'il te plaît, arrête tout. On se retrouve en stream sans doute demain. Demain à 18h, il y aura vidéo book haul de la Muerte. Je pense qu'on peut dire de la Muerte, honnêtement, c'est un gros book haul. Et il y aura sans doute un stream ou deux demain, mais ça, je verrai demain matin, comme d'habitude, en me réveillant. Hein. Eh bah, tant mieux, Louli, je suis contente que t'aies aimé. Eh bah, c'est une très bonne idée. N'hésitez pas à continuer de votre côté, bien entendu. Hein. Pas demain avant 17h, Fox, si ça peut te rassurer. Exactement, n'hésitez pas à continuer de votre côté. Hein. Moi d'ailleurs, je pense que je vais terminer mon manga de mon côté, c'est juste qu'il faut que je finisse de ranger la cuisine. Donc, salut, c'est moi, Simi. Je vous fais plein de bisous. Et avec plaisir, Tamcat, j'attends ton commentaire. Et puis, bah, passez une excellente soirée, et puis à demain. Bisous. N'oubliez pas de lire.